Salut tout le monde, c'est Théo. Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Vous êtes quelques-uns à me demander comment réutiliser un Vapomix. Bah écoutez, pourtant c'est assez simple à réutiliser, donc je vais vous montrer. Alors tout simplement, sur le Vapomix, une fois que vous aurez fini de l'utiliser, il faudra retirer le tout petit capuchon blanc. Alors c'est juste celui-ci, ce qui sert de compte-gouttes. Vous passez tout ça à l'eau chaude. Vous faites ça 3-4 fois de suite et on viendra remplir selon votre grammage de nicotine, c'est à dire juste ici. Moi j'ai envie d'être en 3, alors je vais m'arrêter à la petite barrière 3 juste ici. Une fois que tout ça c'est fait, je vais venir prendre le liquide. Donc pour moi c'est le Lemon Tart de chez Diner Ladies et je vais venir compléter de liquide qui est en 0. Une fois que c'est tout bon, je vais venir remettre mon petit compte-gouttes et remettre le fiole. Si j'ai débordé au niveau des liquides, je viendrai tout simplement nettoyer mon Vapomix. Une fois que vous aurez mélangé, vous pourrez directement commencer à vaper. La nicotine en elle-même commencera réellement à faire effet au bout de 24 à 48 heures. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. On se retrouvera pour d'autres vidéos très bientôt. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.